Et donc, bonsoir à tous et bienvenue pour ce live un petit peu particulier pour plusieurs choses. Déjà, parce qu'il s'agit de la première sur cette chaîne du cher Kuroshin. Salut Kuro! Salut, je m'appelle Kuroshin et j'ai traîné de force le Ch'ti Gamer jusqu'à un jeu qu'il va vous présenter, si ça m'en sous peu. Jeu donc, comme tu l'as dit, que tu m'as présenté et que j'ai commencé en fait il y a une petite semaine seulement, donc c'est tout récent. Hearthstone, qui est un mélange quand même, un gros mélange en fait entre Yu-Gi-Oh! Et Magic, c'est vraiment l'impression que j'ai. C'est beaucoup de Magic, mais avec Yu-Gi-Oh! Le fait de pouvoir attaquer les monstres sur les points de vie, tu vois, c'est tout en étant assez original, par tout ce qui est carte aléatoire et qui peut être seulement utilisé par la part informatique, quoi. Parce que tu peux pas faire créer des cartes par magie, du moins, c'est pas encore... Bah, généralement, faire apparaître une carte légendaire que tu ne possèdes pas toi-même, c'est compliqué, Yeren. Ah, mais ça serait fun, n'empêche, tu faisais ça, mais avec l'arbitre à côté qui a son paquet de cartes à côté. Tu fais non, quoi? Ok, tiens. Combien de cartes? Ah, ouais, mais ça serait tellement fun. Et donc, justement. Genre, l'arbitre est sous un mur de cartes. Bah, moi, je trouverais ça marrant, perso. Et, et justement, en parlant des cartes aléatoires, c'est la chose qui sera particulière dans ce live, puisque nous allons faire des bras de fer qui changent toutes les semaines ou tous les 3 jours, c'est ça? Il me semble que c'est tous les 3 jours. Ouais, donc tous les 3 jours. Il y a 3 jours de bras de fer, puis il y a 2 ou 3 jours de blanc pour un bras de fer après. Ok. On peut presque dire que c'est par semaine, finalement. Voilà, et le bras de fer de cette semaine est un peu particulier, puisque on aura des cartes magiques totalement aléatoires, et à chaque fois qu'on va invoquer, utiliser une de ces cartes, ça va invoquer un monstre aléatoire du même nombre de cristaux que la carte magique. Donc ça sera un petit peu n'importe nawak. Parce qu'on sait pas. Ça sera le bordel. Parce qu'on a les cartes sœurs, donc on peut s'en sortir, mais les monstres on sait pas ce qu'on va avoir. Donc du coup c'est assez technique, tout en ayant. C'est stratégique. Voilà. Et on a fait quelques petites parties hier et on a. C'était des duels assez épiques quoi. C'était du Yugi versus Kaiba quoi. C'était magnifique. Les deux dernières qui sont jouées jusqu'à la dernière carte, c'était beau. Ah mais ouais, mais je suis mort avec la famine tellement que... La fatigue qui t'a tué, qui t'a achevé. Ah oui, la fatigue, pardon. En même temps, j'avais un deck... Vas-y, pioche des cartes. Parce qu'on aura des decks deck aléatoires, pleine, j'ai pas compris. Mais on n'aura pas les mêmes. Bon, bah, je pense qu'il est temps de commencer. Alors je vais t'inviter, si j'arrive. Bras de fer. Et j'accepte. Lancement de la première partie. Ce qui est bien, c'est qu'on a besoin, rien besoin de sélectionner, c'est complètement aléatoire. C'est ça qui est fun. Ça va vite. Bah c'est ça. Et vu que je viens de débuter, c'est nickel, quoi. Parce qu'on n'est pas obligé d'avoir des grosses cartes. Oui, bah... je pense que c'est à peu près les mêmes sorts magiques qui reviennent à chaque fois. Je pense qu'on a un peu fait le tour. Je pense qu'on que... a... Ouais. Non, c'est pas dit. Quoique, on peut encore être surpris, hein. Ouais, je pense. Allure. Bon, bah par contre, il y aura que du Valyra ce soir. Ok. Ah, ça va être du Valyra jusqu'à la fin de la nuit. Bon, ça va, il y a plus moche. Du coup, vous ne voyez pas ma main, ce qui fait que vous ne pouvez pas crier au misplay, et ça m'arrange. Voilà, par contre, vous voyez la mienne, donc vous pourrez dire « Mais non, mais joue ça, bordel, t'es con !» C'est parfait. Surtout que monsieur, il peut tricher s'il le veut, hein. Oui, mais non. On va éviter. Je ne tricherai pas. C'est contre mon honneur. Voyons. C'est vrai que je ça suis un vrai guerrier, moi. Alors, ouais. Qu'est-ce que j'ai de bien? Ah, bah t'as vu, il y a provocation en haut à gauche. Le. Effectivement. Le petit mannequin. Il est beau, le mannequin. Bah, je n'ai rien à faire, je passe mon tour. Bon bah moi, hein... Direct. Ah bah... Oh le coup de dague. On est en live, il faut bouger, il faut que ça bouge un minimum quoi, donc... Il faut ameuter les gens. C'est ça, c'est ça, on va ameuter les gens. Ils vont tous venir me jeter un caillou chacun. Après tu peux toujours dire à tes potes que t'es en live, hein. Ça peut être marrant aussi. Oui, ça peut toujours être... Bon, ils vont m'insulter parce que je sais pas jouer, mais j'ai cliqué sur fin du tour du con. J'étais trop vite pour le jeu. Alors, ça m'arrange pas ce que tu fais, c'est ça qui est magnifique. Du coup, je vais faire exactement la même chose, aucune originalité. C'est parti. Copieur. Exactement. Je m'inspire des plus grands.
Lèche-cul. Bon bah allez, hein. On commence à piocher des cartes. Alors, qu'est-ce que ça ? Alors, vos effets de fin de tour se déclenchent deux fois. Super, mais bon, bah... Tiens, bim. C'est bien quand ça invoque des créatures qu'on ne connaît pas toutes les deux. Bah c'est ça ! C'est ça, c'est totalement aléatoire, c'est ça qui est marrant. Alors... Et si je commençais par quelque chose d'extrêmement violent ? Ah bah... Ta petite provoque fétiche. Le petit mannequin. Ah ouais, t'es comme ça, toi ? Ah bah c'est beau, ça ! Ok ! Allez, monsieur, il y va, quoi. Il y va de bon cœur. Je suis un mur. Écoute, le coup de dague. Bah dans ce cas là oh mon dieu. Dans ce cas là meilleur début. Allez. Oh là 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 là. Extrêmement voilà. Aléatoire les cibles. Ouais, vu qu'il y en avait que deux, ça va, je tapais pas trop. Ça devrait aller. Alors mouais. Mouais. C'est compliqué, disons. C'est vrai que j'ai pioché les cartes, peut-être que je vois ce que, à quoi ça fait, à quoi ça sert. J'ai failli dire le mot que j'étais en train de lire. Bah, je n'ai rien d'autre à faire, c'est la misère. Alors, c'est parti. On invoque plein de petites créatures à la... Bah, en carton, en fait. Y a pas d'autre signification. Et le coup de dague, qui est gratuit. Ouais... Ok, ça c'est... Je reconnais, je crois que j'ai de nouveau le deck pioche. Hein. Ah, magnifique. C'est un peu... Ah, ça peut être pas mal, ça. Tu ne manques pas de carte. Ouais... C'est que j'ai des cartes. Si j'utilise ça booste ton deck, donc on va peut-être éviter. Hein. Ça serait peut-être pas la meilleure idée du siècle. Ça va, hein. Ah oui, je me doute bien. Mais on va peut-être éviter. On va plutôt faire ça. Voyez la puissance des éléments. Comme ça, ta provocation, elle est foutue. Ça, j'ai une magnifique 0-9 qui ne sert plus à rien. Voilà, c'était un peu le but. Je pourrais faire ça, mais... Ouais, on verra pour plus tard. Le prince Valanar, qui est apparu de nulle part. Bon. Ouais, mais le problème, c'est que les cris de garde sont pas enclenchés, donc du coup, ça sert à rien à chaque fois. Ouais, c'est débile. Bon, je vais utiliser une carte qui va foutre la merde de manière totale et erratique. Bah, c'était la carte que je pensais, en fait. Ça, c'est très drôle. Voilà. Alors... Ok, tu veux... Éliminons les petits qui ne servent plus à rien. Donnons un coup de dague au pif. Voilà, je pioche mes points de vie. Plus rien à foutre. Très violent, très... Ah ouais, c'est assez violent. Qu'est-ce que je peux faire Ah mais oui, mais je vais pas donner cette carte pour améliorer ton monstre, c'est un petit peu con. Ah mais j'ai une carte qui fait ça en gros, donc c'est un petit peu... Moi je peux bien. Je suis tenté de faire le ça, dernier mais... argument. Ça risque d'être compliqué à gérer. Chaque fois qu'un... Ah ouais, en effet. Je me suis déjà retrouvé avec un berserker écumant en face, il était en 18-4, j'ai pas compris. Il a sacrifié toutes ses cartes et il avait des tourbillons à l'infini. Voilà. Ah bah en même temps, je suis obligé. Bon allez, tant pis, tac. Il n'a pas le choix. Succombe. Et non, il est toujours en vie. Tiens, c'est que t'auras des bêtes à l'infini dans ta main. Ouais. J'ai un secret de mage dont j'ignore complètement l'effet. Tant mieux, hein, c'est un petit peu le but d'une carte piège. Un peu le but d'une carte Alors, piège. Alors... Ok, j'ai une carte qui sert littéralement à rien, c'est magnifique. Genre ça va chercher quelque chose dans mon deck, mais... Enfin, ça va chercher une créature dans mon deck, mais on a que des sorts, donc c'est magnifique. Ben ça peut être utile si tu as une carte qui permet d'en mettre. C'est très marrant, quand ça arrive. Ça... Je pense que le duel épique, ça va pas être celui-là. Ça aussi, ça dégage. Tiens, vas-y, pioche toutes les cartes que tu veux. J'ai peur d'une pulvérisation. Ah, barrière de glace. Ça me rassure. Un classique, hein.
Ce n'est pas cette armure qui protégera tes doudounes. Sache-le. Qu'est-ce que t'as contre mes doudounes? Ah, mais rien du tout. mais je peux pas faire ça, j'ai pas de... Bref. Ah, super, c'est une... la carte que j'ai me défonce. Ça serait cool, c'est cool, ça. Si je la vogue, ça me défonce. Je vais me répéter encore une fois, mais je n'ai aucun souci avec ça. Ouais, je me doute. Vous allez avoir des problèmes. Ça a invoqué quoi? Une combattante de la fosse, c'est ça? Une combattante de la fosse, oui, qui vient d'être invoquée. Qui est prêt à en découvrir. On va aller, hein. On va essayer de se vider un peu la... Attention! Ah, ça sert à rien. Eh oui, j'ai des... des créatures impotentes, on peut le dire. Voilà. Ah ouais, tiens, boum. Faut quand même essayer d'attaquer minimum, quoi. Ah, mon psychotron! Je suis un peu dans la mouise, hein. Le psychotron qui est d'ailleurs très très métal, hein, si je puis me permettre. Ah bah! J'ai une carte parfaite, une carte magnifique. Vois-tu cette créature inutile qui est là depuis le début? Elle va devenir utile! Eh bah, elle est enfin utile. Et ça. Et maintenant, ça devient une créature casse-couille. Toi, j'ai pas envie que tu restes là. Celle-là mourra sur l'autre provocation que j'ai déjà instaurée, qui permet de la laisser en l'état. Tiens, ton dernier point de bouclier. Mais mon bouclier. Et je te laisse ton tour. Ma technique de lâche. La protection n'est pas autorisée. Tant pis. Tiens. Bim. Ah. Ah là. J'avais dit que je l'avais. Ah. Eh bah, détruire, reformer, détruire, reformer. Bim. Ah mais non, mais non. Mais si. Mais non, mais c'est pas drôle. Et puis, c'est déjà pas mal. Voilà, je m'en suis plutôt retourné à la situation. J'avais oublié que je l'avais dans la main. C'est con, hein, mais. Ouf. Putain, si j'utilise ça, ça pourrait être pas mal, mais. Mon voleur 2, il a pas une capacité. Eh ben, ah, si, deux petits raptors. J'utilise la folie galopante et je crie l'âme des cartes de mes dés. On va s'amuser. Ouais, non, ouais, 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 non, ouais. T'as fait de la merde, Amdekar. Ça va, moi je m'en sors bien. Et puis bah, ce raptor est inacceptable. Moi je trouvais ce raptor justement acceptable, mais... Absolument pas. Et... Ressuscitons. Es-tu mon maître? Waouh. C'était la meilleure carte que je pouvais rien invoquer. C'est parfait. Je n'ai plus rien à dire, je laisse mon tour. J'ai envie d'utiliser une carte, mais ça va me faire perdre mon tour. D'ailleurs, j'aurais dû attaquer avant de faire cette carte. Erreur de ma part. Vous pouvez crier au misplay, c'est permis. Oh, allez, pour le lol. De toute façon, je ne vois pas le chat. Pour le lol. Voilà. On a fait le ménage. Bah... Le bon coup de balai de ténèbres, c'est parfait. J'ai plus grand chose dans ta main, au secours. Voilà. Deuxième fois, peut-être? Non, non, non. La jungle est notre mère. Voilà. Ce qui est plutôt pas mal. Ça fait beaucoup d'invocations. Ouais, ouais, j'en suis assez fier. J'avoue être... plutôt dubitatif sur la suite des opérations. Mais c'est ça que j'aime bien avec ce truc là, parce que c'est vraiment... T'étais vachement dans... T'avais rempli tout ton terrain, et au final le duel n'est pas du tout fini encore. Bah j'utilise cette carte car j'ai rien d'autre à faire. Waouh. C'est beau. Oh, regarde ce légendaire qui va mourir en 2 secondes. C'est Petit Panda. C'est extrêmement beau. C'est Petit le Panda. Tu respectes le panda. Fais pas ça, touche pas là. Il fut un temps, ce panda était surutilisé. Malheureusement, les golems de jade sont moins forts depuis un certain temps. Alors. Ah, si je fais ça, je me suicide, on va peut-être éviter. Ah, c'est vraiment le... Ça me dérange pas, je te le dis. Ah, je me doute. J'ai envie de faire un truc assez marrant. Le lotus. Blech. Ah. Blech.
Voilà. Comment dire ? Ça me gêne. Ouais, ouais. Alors, qu'est-ce que je peux faire d'autre ? C'est quand même une carte bien chiante. Ah ouais, elle est assez casse-couille. Tiens. Voilà. Ah mais... Alors bah, ouais, bah je suis con, il suffit de faire ça. Voilà, bim. Comme ça, il n'y a plus qu'ensuite se faire plaisir, quoi. Tu as remarqué d'ailleurs que tu avais deux d'attaque, du coup ? Non, je l'avais pas remarqué. Grâce à ton aspirant de Grimard, qui te donne plus un d'attaque à ton arme. Ah ouais, en effet. Je... Grâce à l'exaltation. Parce que je l'ai pas vu. C'est vrai que j'ai pas fait attention à la créature qui venait d'apparaître. Que puis-je donc faire ? Pas grand-chose. Bon, tout ça m'énerve. Tout ça, ça dégage. Ah ouais, mais t'aurais pu invoquer quelque chose de moins bien pour lui donner. C'est... Bon. Ah, en plus, c'est bien moi. Ah, c'est réglé. Et en plus, tu me donnes une grosse carte. Je survivrai un tour de plus. Parce que c'est la misère niveau point de vie. Ça passe, ça passe. Alors, un petit sort qui inflige plein de dégâts. Non, ah ça par contre ça va être pas mal ça. Tu sont en live pour me détruire. C'est que la première, c'est que la première. Ah bah regarde ce que j'ai en main. Ah. Tada. J'avoue que c'est handicapant. Ah ouais, en effet, je viens de voir le truc. Tiens, et la petite baffe. Pif. Aïe. La petite baffe. La deuxième. Pif. Oh là, c'est plutôt pas mal. T'as roll casse-tête dans la main. Je sais que j'ai déjà perdu, c'est beau. Donc c'est 2 points, hein, que... le casse-tête. Bah déjà, t'as invoqué un monstre, logiquement, t'as mon raptor qui va lui manger. À moins que... à moins que... Il est toujours ah debout. Oui, mais que je les invoque pas et qu'ils apparaissent sur le terrain, ça les attaque pas, c'est beau. Non, c'est pas beau ça, je suis déçu. Eh bah écoute, tu es déçu. Ma stratégie était pourtant parfaite. Ça n'arrange absolument pas mon cas, par contre. En effet. Yu-Gi-Oh! Numéro 2. Non, pas de provoque. Non, pas de provoque. Ça passe. Et bah, tiens. La petite baffe. Ça t'apprend un peu le respect. Même ouais, t'es comme ça, toi. De l'autre côté. T'es comme ça, toi. Tu la joues comme ça. Bah déjà. Je partirai pas sans te piquer un peu. Tiens, bim. Ah non mais. Fais ça. Et juste pour le lol. Cette carte est horrible. Tiens, mange. Et c'est mon personnage qui va t'achever. Il monte ses grosses cartes. Et voilà, je pense qu'on peut s'arrêter là, hein, c'était très bien. Je demande une revanche. Sans déconner. Ah moi j'ai bien aimé, moi, je suis assez content là. Je suis assez content de moi. Monsieur il joue depuis 2 ans, je joue depuis 1 semaine. Bon, voilà. C'est pas de fer, c'est le truc aléatoire en même temps. Hein. Bah, c'est pour ça que j'ai plutôt conseillé les jeux annexes plutôt que le jeu de base quand tu débutes, parce que généralement tu trouves pas beaucoup de fun dans le jeu de base. À chaque fois que je tente une partie en ligne, je me fais défoncer parce que même ceux qui sont bas level, ils ont déjà un deck construit donc. Bah, ils ont déjà un deck avec 10 légendaires, ça veut rien dire. Moi j'en ai un. Ils débutent, mais avec le starter pack 10 légendaires dragons. Je sais pas si ça existe. Bah c'est juste 5€ hein, avec. C'est pas faux. Oh, y'a plus de provocateur, c'est. Ouh. Oula, de trop grosses cartes. Barrez-vous. Ouais, celle-là on va se barrer. Oula. Ok, bah moi ça va. Ça passe. Alors ça fait quoi tout oula, ça ? Qu'est-ce que c'est que ces cartes ? Ouais. Qu'est-ce que c'est que ces cartes de la malédiction ? Ah ouh, ça c'est une carte qui peut être pas mal. Ah oui, merde. Ouais. Bon. Tout ça pour ça. Oui, tout ça pour ça. Bon, bah moi je vais faire quelque chose. C'est le suspense. Tiens. À toi. Oh non. Tu vas pas me dire que tu l'as plusieurs fois celle-là. Je sais pas, j'ai une fois. C'était pas le casse-tête, hein. C'était un petit truc. Ça fait quoi ça déjà ? Piocher une carte. Ah merde, je pensais que ça faisait apparaître un. Ah oui, toi t'es comme ça toi. Non, ce n'est pas un 9. Je peux espérer. Ah si, c'est un 9, mais il est runique.
ça compte pas. Oui, bah là c'est très bien. Comment dire, c'est un 9 ou un éclos, tu pioches. Les cartes que j'ai en main. Je voulais juste attaquer avec un 0 de dégâts pour le LOL, mais il veut pas. Non, ça... T'imagines le nombre de mes cartes qui auraient pu t'attaquer par contre. Ouais, mais ça m'aurait fait marrer, moi. Moi, ça m'aurait fait marrer. Surtout que t'avais une arme, donc du coup, ça leur peut-être affligé des dégâts au monstre. Bah, j'ai une carte qui pourrait peut-être me sauver. Oula. C'est intéressant. Plus ou moins. Alors, et ceci est presque intéressant. Écoute, je te pique. Aïe. Et je passe mon tour. Je te pique, j'aime bien la... La petite piqûre de guêpe. Par contre... La petite dague qui fait autant de dégâts qu'un feu follet. Ok, je vais faire ça. Hop. Et puis je vais faire ça. Un pingouin. Il est mignon, le pingouin. Le pingouin. Là. Elle est moins mignonne, elle. Enfin, quoi que. Krieger. Oh. Bon, c'est un Krieger qui sert pas grand chose, hein, donc... Tiens, moi aussi je te pique. Aïe. Et bah je vais utiliser les meilleures cartes par la foudre. Boum. Par la puissance des dagues et par la piqûre d'abeille. Mon pingouin. Non. Mort au pingouin. Je m'en suis fait du sashimi. Je sais pas si existe le sashimi de pingouin. Je dis ça au pif, ça se trouve, c'est une... Je suis pas assez... C'est une pratique inuite, je le sais pas. Ouais, si je fais ça, je suis dans la merde au tour suivant, donc on va éviter. Ah, j'ai envie de faire un truc. Oh... Un truc. Ouais, il y a moyen de faire un... Il y a moyen de moyenner. De moyenner. Oh ouais, allez, on va tenter un truc. À moi. Et comme ça, ça permet de moins détruire ton monstre. Ah. Ça fait un monstre de moins. Aïe. Et ça a infligé 2 points de dégâts à ton petit monstre là. Qui a ça un fait pouvoir... piocher à l'infini. Voilà, parce que t'as plein de cartes en main. Tu vois, tu peux me dire merci. Ok, donc ça c'est inutile. Bon, bah j'attends pas. J'aurai pas de merci. Non, je suis triste. Non, pas de merci. Interdit. Qu'est-ce que je pourrais faire d'autre? Moi je tape le sol là, avec ma souris, c'est marrant. Ça c'est marrant. Ah! Ah putain, déjà! Ok, la meilleure créature du monde! Bah c'est un putain de bouclier quoi, mais. Ah ouais, donc du coup ma carte là ne sert plus à rien. Moyennement. Peut-être éviter alors de faire ça. Écoute, tes points de vie sont délicieux. Ouais, je vois ça, hein, tu te régales. Mais lourd, c'est pas tout ça, mais faut que je joue. Joue donc. Oh putain, ça fait tellement un combo si j'avais fait ça tout à l'heure. Mais bon. J'ai une carte totalement inutile pour ce mode de jeu. Piocher deux cartes. Les serviteurs piochés coûtent 2 mana de moins. Ça fait quand même piocher. Ouais, mais c'est tout. Bon, c'est cher pour la pioche, mais ça fait quand même piocher. Enfin, je suppose que c'est cher. Des souvenirs que j'ai de cette carte. Bim. Voilà. Ah mais non. On va éviter de faire ça, sinon je suis un peu dans la mouise. Oh, je tape sur le tambour de... d'énervement. J'ose pas défoncer ton golem, parce que sinon ta statue va bouger. Par contre j'ai un problème de main. Ah bah ça j'y peux rien, hein. Ça c'est génétique. Il est trop con. Mon dieu, que dit-il? Ouais, moi aussi, je me demande. Que dit-il? Et la réponse, je me demande. Que dit-il? Me demande. Eh ben, je vais utiliser ceci. Qui me permet d'invoquer une carte plutôt intéressante. En effet. Ah, du coup, ça a invoqué cette créature. L'effet, c'est trigger après, ce qui fait que j'avais autant de créatures que toi, ce qui fait que je n'ai qu'une seule provocation. Je suis presque déçu. Presque. Presque déçu. Il y a un stade de déception qui a failli être atteint. Il y a moyen, de moyenner, hein. Vas-y, je t'en prie. Piou piou piou. Ah, si je fais ça, ça va me faire mal. T'as beaucoup de cartes qui te font mal quand même.
Ouais, c'est un peu embêtant. Je réfléchis, hein, mais. Le pauvre, il a le deck masochiste. C'est ça. Ah, t'aurais trigger le combo, ça aurait été pas mal. Ouais, en fait, j'ai mal lu la carte. D'ailleurs, J'ai juste mal lu la carte. Bon, pas tout ça, mais. ton arme n'a plus qu'un durabilité, qui est dommage. Ça fait mal. Ça fait mal. Ça aussi. Voilà. Et j'ai un petit provocation, c'est que c'est pas mal. C'est donné. Parce que c'est vrai que j'ai pas beaucoup de provocations. Alors, c'est pas que tu m'embêtes ou c'est pas que je ne suis pas content d'être invité, mais brûlez tout! Brûlez-les tous! Les tiens aussi! Oh merde! Oh merde, j'ai dit tiens, c'est pas grave, j'ai un Waouh! truc intéressant, mais au final, tu vas me casser les couilles avec celle-là. Elle provoque en Parfait. plus. Putain! Le bon frise-gueule qui sort des fagots. Qui sort de derrière les fagots. Ok, c'est juste pas un. C'est Voilà. ça, l'âme des cartes. J'ai très certainement moins joyeux Yu-Gi-Oh que toi, mais je crois en l'âme des cartes au moins. Ok, bah si je fais ça sert juste à rien, on est d'accord, hein. Donc du coup. Le bon coup de balai. Je suis obligé de jouer une carte, on est d'accord? T'es pas obligé. Tu peux. Ah! Ah! Dommage. Ah ouais, j'avais omis ce détail. Ouais, t'as Disons ta carte tilté. d'armure. Ouais, oui, j'ai 4. Relativisons. Relativisons, oui. Ah, mais au tour prochain, je m'en prends plein le fion. Ouais. On va peut-être éviter. Même si j'aurais peut-être du temps, mais Alors. j'aurais peut-être dû quand même tenter quelque chose. Mais. Alors, qu'est-ce qui pourrait être magnifique? Ça pourrait être magnifique. Là, je suis mal barré. Est-ce que vu ce que j'ai en Ça pourrait main. être. J'ai un combo qui pourrait être Ah, parfait. je pourrais faire Tu ça. m'en diras des nouvelles. Qu'est-ce que c'est que ça? Une 20-20, t'es comme ça, toi? Tu veux savoir l'utilité de cette carte? Vas-y. C'est que son cri de guerre, ça te met 3 bougies dans ton deck. Sauf que je l'ai invoqué sans cri de guerre. Ce qui fait qu'elle est parfaitement inutile. Elle est même pas 20-20? En l'état actuel, elle sert à rien. D'accord. C'est beau. Mais bon, 20-20, bon, j'ai une 10 qui attaque deux fois. C'est presque pareil. Non. Ouais, là, je suis Voilà. un peu dans la mouise. Hein. Te laisse à un PV. Est-ce que je fais cet affront? Je fais quoi tout à l'heure déjà? J'ai peut-être en. Hein? 10 coups de dague. Salopard. C'était que pure revanche. Copieur de stratégie. Mais je te l'ai dit tout à l'heure, j'apprends des plus grands. T'as certainement plus d'années d'expérience sur les jeux de cartes que moi. Hop, je sais pas. Ok, bon. C'est moi, niveau jeu de cartes. Au collège, il y avait Yu-Gi-Oh! C'était à la mode, mais. Ouais, moi c'était Yu-Gi-Oh! Et Magic au collège. Mais bon. À part Hearthstone et Yu-Gi-Oh! Au collège, j'ai pas joué à beaucoup de jeux de cartes, je t'avoue. Yep. Et je pense que je vais stopper la première vidéo là. Et on verra ce duel dans la prochaine. Ça te dit? Samedi. Ok, allez.